Zombie Apocalypse. Je suis rendu dans une team BO2 avec des filles. Donc je vais vous présenter une par une les filles en question. On n'est que des filles et on recrute. Donc si vous êtes une fille qui voulait venir avec nous, il n'y a pas de problème. Nous on recrute tout le monde, on n'est pas chiant. On n'est pas chiant ça. Et là elles sont toutes mutées, comme vous pouvez le voir. Et je les démuterai une par une en fait pour qu'ils se présentent. Et du coup pour que vous appreniez à connaître un peu qui c'est. C'est la team des rebelles, tout simplement. Donc là, on a Funny Frags devant nous, alias Kate. Bonjour Kate. Bonjour. Ça va? Bien toi. Alors du coup, je te demandais de te présenter un petit peu. Ouais. Tu vas me demander de me dire ton âge, où est-ce que tu habites? Ah, Kate, t'as beaucoup de mal à me comprendre. Kate? Kate? Funny Frags? Allô? Allô mademoiselle? Bon, elle me cherche. On verra sur elle plus tard, c'est pas grave, elle veut pas nous parler, et ben voilà, je veux pas me prendre la tête. Alors, de toute façon il y a du monde, donc c'est pas très joli, rien de passer devant moi. Et j'aimerais bien qu'elle s'arrête, c'est pas Alors, nous avions quelqu'un. Donc, en fait, là, on est sur un jeu qu'on fait souvent. C'est un peu le chat-souris ou le loup, c'est comme vous voulez. Enfin, voilà. Donc, il y a un concurrent qui doit chercher les autres. Donc, là, nous avons Adeline. Bonjour Adeline. C'est toi qui as couru comme un con tout à l'heure? Non, c'est pas moi. D'accord, j'ai vu quelqu'un courir devant moi, je ne sais pas qui c'est, j'ai pas eu le temps de voir le pseudo, il va se faire engueuler. Je crois que c'était toi. Pourquoi Kate ne me répond plus, tu sais? Non. D'accord, parce que Kate, je l'ai démutée, elle ne me parle pas, donc c'est sympa. C'est pas grave, je verrai ça après. Du coup, présente-toi. Quel âge as-tu? Où habites-tu? Alors, j'ai 26 ans, et puis j'habite en Vendée, dans le 85. Pour ceux qui sont bons en géographie. Voilà. Depuis quand tu joues et sur quel premier, enfin sur quel jeu tu as commencé à jouer? Alors, tu veux pas descendre un peu? Je me sens basse par rapport à toi. Ouais. Merci. Voilà. Alors je joue depuis 2 ans et demi. Et j'ai commencé sur BO2, ce qui peut paraître étrange. D'accord. Et du coup, ben voilà, après j'ai fait tous les premiers jeux de Call of. Oui, parce que madame a commencé sur BO2 et après a fait les autres plus anciens. C'est voilà. Total. As-tu un moi. Mot pour les gens qui vont regarder la vidéo? Non, qui profite, enfin, si, qui profite bien de nos délires, quoi. C'est ça. Tout simplement. Bon, bah sur ce, salut. Bye. Donc voilà, donc je vous ai présenté. Putain. J'ai failli prendre le train. Donc je vais vous présenter la première membre qu'on a trouvée, donc Adeline. Adeline, c'est la même personne avec qui j'ai fait les GTA, pour ceux qui suivent la vidéo. Donc voilà. Alors sinon, je vais retourner voir Kate après. Hein, si elle n'a pas bougé, peut-être que nous aurons le plaisir d'entendre Kate. Alors, ici, il n'y a personne. Ah si, bonjour. Alors, bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Oui. Donc, présente-toi un petit peu, quel âge as-tu et d'où viens-tu? Je m'appelle Julie, j'ai 17 ans et je viens de Bretagne. D'accord. Je viens de revoir le mauvais élève depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui tourne, je sais pas qui c'est. Qui ne reste pas à sa place, c'est pour que courir. C'est qui? Écha. C'est Écha. Quand je te remuterai tout à l'heure, tu lui demanderas d'arrêter de bouger, elle me rend folle. D'accord. Le premier jeu sur lequel tu as joué et depuis quand tu joues, en règle générale?
Sur Mario Kart et depuis mes 3 ans, donc ça fait 14 ans. Donc depuis tes 3 ans? Ouais. D'accord. Un mot pour ceux qui verront la vidéo? Oui, je vais bientôt mourir. C'est ça. Salut! Salut. Alors là, on est rendu à 2 personnes. Alors, nous allons partir par là. Et la mauvaise élève, si je la retrouve, elle va passer un mauvais quart d'heure. Parce que oui, c'est des filles, mais c'est pas pour autant que c'est des filles qui sont sages. Ah, j'ai trouvé quelqu'un. Mais sérieusement, là on va avoir deux. Voilà, ils sont belles, regardez. Les filles, ouais, j'ai oublié de mettre une seule vie, donc vous restez dans le coin, hein, bien sagement. Oui. Merci. Voilà, donc en fait, j'ai fait une boulette, normalement, on n'a qu'une vie. Donc on a la quête qui a bougé, donc je crois qu'elle avait déconnecté au moment. Donc voilà. Du coup, en fait, ce que je dois voir, c'est que je viens de buter un moment. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que Express est une map vraiment grande. Tiens, c'est bon, on a quelqu'un qui est... C'est toi la mauvaise élève qui fait que courir partout? Attends, j'ai oublié de vous muter, attends. Bon, je vous mute pour la vidéo. Bon, Echa, s'il te plaît, on est en plein stream, alors tes conneries personnelles... Oui, oui. Hein. Oui, d'accord, madame. C'est toi la mauvaise élève qui court partout depuis tout à l'heure? Non, c'est pas moi la mauvaise élève qui courait depuis tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui court depuis tout à l'heure qui me rend folle et Julie ta balance. C'est ballot? Julie? Ouais. Bah oui, mais moi je cours parce que je vais juste courir en fait, j'ai pas trouvé de cachette. D'accord. Par contre, j'ai oublié de mettre une seule vie, donc tu rejoindras Adeline et Julie après que je t'ai buté pour que vous soyez ensemble. Pour pas que je me gourde de personnes que j'ai buté ou pas. C'est qui ça? C'est Marie qui court partout aussi, d'accord. Voilà, les mauvais élèves, sérieusement, ça se voit direct, quoi. Donc du coup, présente-moi, bon, quel âge as-tu? D'où viens-tu? Alors, j'ai 15 ans, j'habite à Villeneuve-Saint-Georges, à Paris. Bon, de Paris, c'est dans le Val-de-Marne. D'accord. Ton premier jeu auquel tu as joué et depuis quand joues-tu? Alors, mon premier jeu, si je m'en souviens bien, c'était Naruto, sur PlayStation 3, Naruto Storm 1. Uh-huh. Et depuis quand tu joues? Quand est-ce que t'as commencé? Il y a 6 ans. D'accord. Très bien. Je vais te tuer, donc est-ce que tu... Attends, dernière chose. Oui, mais souvent, est-ce que tu as une dernière chose à dire à tous ceux qui vont te regarder? Si vous croisez Titanium Xena, surtout courez. Si vous croisez quoi? Répète. Si tu rencontres Titanium Xena un jour sur Call of Duty, surtout quitte la partie. Voilà, bah vous êtes prévenus. Je vais te muter, je vais te remuter. Par contre, préviens tout le monde, s'il te plaît, de ne pas bouger, ça serait gentil. Et du coup, tu peux aller rejoindre Julie et Adeline. Salut. Okay. Voilà, donc vous êtes prévenus, hein, si vous croisiez Titanium Xena, apparemment, si j'ai bien compris, vous risquez d'être mort. Donc après, c'est soit vous prenez ça en provocation et du coup vous allez la rencontrer pour la beauté, ce que moi-même je ferais personnellement si on me dit ça, ou alors soit vous jouez la bonne élève, et du coup pas le bon élève, et vous l'évitez. Donc je cherche Marie qui se trimballe depuis tout à l'heure. Pourtant, j'ai bien précisé de ne pas bouger pour mieux être à galérer et du coup pour éviter que vous courez dans tous les sens. Là, ils sont 3. Est-ce que c'est bon? Qui es-tu? Adeline? Bien? Echa? Ouais. Je vérifie quand même parce que je les connais. Elles sont vraiment traîtres et elles sont capables de se foutre ensemble. Faut pas que je les bute. Donc, on a une là-bas qui court. Je crois que c'est Marie. Marie, c'est toi qui cours? Pourquoi je cours? Ouais, faut pas que tu cours, pas aujourd'hui. Okay, faut pas aujourd'hui, tu ne cours pas, s'il te plaît. Non, 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 depuis tout à l'heure, tu me prends pour une folle. T'as grévé ou quoi? Non, mais oh. Eh ouais, je t'ai grillé, David. Vas-y. Bon, vas-y. Comment vas-tu? Ça va bien. Quel âge as-tu et d'où viens-tu?
Donc, je suis québécoise et puis j'ai 24 ans. D'accord. Depuis quand tu joues aux jeux vidéo en règle générale et quel a été ton premier jeu sur lequel tu as commencé? En règle générale, depuis que je suis toute petite, j'ai joué beaucoup à des trucs de Mario, Sonic et compagnie, mais je joue à la Play depuis octobre, en fait, que j'ai découvert BO2. Donc ça fait moins d'un an. D'accord. As-tu un mot à dire à ceux qui verront la vidéo? Aux Français peut-être qui regarderont la vidéo et sûrement les Québécois. Ne pas rire de mon accent, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai fait une boulette, j'ai laissé vie illimitée, donc je te bute et après tu vas rejoindre Adeline, Echa et Julie, s'il te plaît. Ils sont dans le coin là-bas, spawn. Parfait. Voilà. Salut! Bye. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'âges différents, on a des origines différentes aussi, comme là, on a une québécoise. Putain, sérieusement, j'en ai marre. Ils me prennent tous pour une conne. C'est qui? Bonjour Cécile, c'est toi qui cours depuis tout à l'heure dans tous les sens? Non, il n'y a pas que moi, voyons. Ouais, vous me prenez tous pour une conne, mais vous croyez que vous voyez, que je vois pas, franchement? Les mauvais élèves, je les vois direct. Il y a toi, il y a Echa et Marie. Je sais très bien qui c'est. Faut pas me prendre Mais pour une non, je vois conne. pas de quoi tu parles. Ouais. Donc du coup, présente-toi, quel âge as-tu, d'où viens-tu? Alors, j'ai 21 ans, je viens du sud, 34 héros. D'accord. Depuis quand joues-tu aux jeux vidéo en règle générale et quel a été ton premier jeu sur lequel tu as commencé? Alors, 4 ans et demi, et c'était Rayman. D'accord. As-tu un mot à dire à ceux qui regarderont la vidéo? Mais qui viennent regarder, qui like un peu. On sent tout l'enthousiasme. Par contre, j'ai laissé vie illimitée, donc je me suis trompée, c'est pas grave. Donc je te bute et tu vas rejoindre au spawn là-bas, de ce côté-là, Oui, Marie, Adeline, Echa et tout le bordel. Voilà. Comme ça, je me gourre pas de personnes que j'ai déjà vues ou pas. Salut! Salut. Alors du coup, là, il me reste qui? Il me reste Geekette 55. Et j'ai fini. Donc voilà, donc on n'est pas toutes là, ils sont pas toutes là, il y en a qui n'ont pas pu venir ce soir. Mais je vous les présenterai dans une autre vidéo, je pense, plus tard. Voilà. Regardez les mauvais élèves. Voilà, ils s'amusent. Je sais pas quoi ils s'amusent, mais c'est assez marrant. Voilà. Comment mettre quatre filles ensemble? Voilà ce que ça donne. Y a de quoi de s'amuser, je vous le dis, moi. Alors, si je trouve pas Aurélie, je pense que je vais directement la démuter pour lui dire que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc il faut qu'elle bouge. Mais bon, le but du jeu est quand même de la trouver, donc on va essayer de la trouver. Par contre, il y a des fois où vous me verrez jouer, et des fois où vous me verrez pas jouer pour que je vous mette en tant que spectateur d'une personne, et du coup vous voyez que ma vision à moi de jeu. Ok, qui est-ce, personne? Echa. Echa, je t'ai demandé quelque chose. Non? Bizarre, elle me répond pas, elle se barre direct. Et c'est comme les enfants qui se font engueuler par leur papa et maman. C'est la même chose. Alors du coup, je crois que j'ai tout fait en plus. Hein. Et puis Geekette, c'est une personne qui est comme un caméléon, qui se faufile très bien dans les natures. Dans les herbes. Mais dans la nature, dans les herbes. Là, nous avons deux personnes qui s'amusent à faire quoi? Nous avons Cowboy, Cowgirl et Geekette. Aurélie, bonjour! On s'amuse bien, ça va? C'est pas trop dur la vie? Non, ça va, on fait la course. T'as retrouvé une petite copine Cécile, c'est ça? Ouais, elle m'a proposé de faire la course, donc on a fait la course. Ah, je crois que t'as perdu là par contre. Ouais, je pense aussi. Ouais, je crois que. Bah, attends, je vais t'aider. Hop là, voilà. Donc du coup, présente-toi, quel âge as-tu, d'où viens-tu? Alors, donc moi c'est Aurélie, j'ai 24 ans et je viens de Lorraine. D'accord. Quel a été ton premier jeu sur lequel t'as joué et depuis quand tu joues? Le premier jeu, c'était... Oh, ça remonte à loin, c'était sur la Sega. Sur la Sega, ah oui, en effet. Oui, ça remonte à très loin. C'est sûr. Et tu te souviens, c'était quoi, Sonic, un truc comme ça? Ouais, Sonic. As-tu un mot pour les gens qui regardent cette vidéo? Eh bien, s'il y a des filles dans l'eau, qu'elles rejoignent parce qu'on rigole bien.
Bah, comme on l'a pu voir, hein, comme je vous ai surpris en flag. Voilà. N'est-ce pas ? Donc, tu es la dernière à passer. J'ai pas mis vie, il y avait un vie limité, donc tout le monde s'est rejoint à l'autre spawn de l'autre côté là-bas. D'accord. Si tu veux rejoindre les autres. Ils sont en train de s'amuser à lancer des couteaux, je crois, de ce souvenir. Ouais, je crois aussi. Salut ! Salut ! Donc voilà, je vous ai présenté une à une toutes les personnes présentes dans la team aujourd'hui. Nous avons, je crois, de souvenir 3 ou 4 personnes qui n'ont pas été présentées et que je vous présenterai tôt ou tard. Donc voilà, donc, c'est juste une vidéo de présentation. Vous verrez par la suite des vidéos sur des MME hardcore, MME non hardcore, des jeux aussi entre nous. On fait beaucoup de parties personnalisées entre nous. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez animé. Il y a moyen de se prendre la gueule. Là, je suis sûre que c'est Cécile. Non, même pas Aurélie. C'est combien de trucs. Donc voilà, on a des larves, on a un peu de tout. C'est assez sympa. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me faire part sur un commentaire si vous voulez rejoindre notre groupe, notre team. On prend que des filles. Limite d'âge, il n'y en a pas. Pour l'instant, les âges vont de 15 ans pour la plus jeune et 27 ans pour la plus vieille. Donc voilà, après si vous avez 30 ans, 40 ans, on vous prendra quand même, du moment que c'est cool et que vous aimez vous amuser et prendre la gueule. On ne vous prend vraiment pas de personne sur les perfs. Hein. On vous prend vraiment sur l'humeur, la rigolade et tout ce que vous voulez. Je pense que vous voyez un peu l'humeur du jeu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et nous on se retrouve très prochainement sur d'autres vidéos sur ma chaîne et surtout sur la team des rebelles. À bientôt les gamins.